On va relancer une draft, faire le premier match. Au pire, si je le gagne, je continuerai demain, les gars. Mais j'ai vraiment envie de refaire une draft. J'ai envie de faire les choix joueurs là. Je sais pas pourquoi, j'ai envie. Donc on le fait et on va avoir une draft de malade, je vous le dis. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. 3-4-2-1, ça me paraît un peu compliqué. 4-5-1 aussi, ben, je crois qu'il faut que je prenne le 4-4-2 resserré, hein. C'est ce que je connais le mieux. Oh, Diani Milo. Oui. Alors il peut pas jouer MDC. Attention, mid, on sait que ça peut être sympa. Lui, c'est compliqué à faire des liens. C'est ça le problème aussi. Attention, faut regarder ça. Vas-y, Messi, super sub. J'aime trop Messi dans le jeu. J'arrive bien avec lui, donc go Messi. Ensuite, on sait pertinemment que la première ligue est quand même le championnat le plus simple à faire en termes de draft. Et que là, on va pas se priver de grand chose en prenant Watkins. Milieu gauche maintenant. Ah, Mitoma, joueur qui va faire le taf sur ce qu'on va lui demander sur un côté. Très très bien. On a Otavio, Sané, c'est sympa, mais bon, il y aura pas de lien. Après, j'ai pas de PL, donc autant focus un deuxième gros championnat. Milieu défensif maintenant. Alors, on a Palinha qui peut faire le taf. Koke aussi. Vas-y, ça va être Palinha ici en milieu défensif. Deuxième milieu défensif ici. On va prendre deux runes pour... Au final, pas forcément super heureux de faire ma draft. Mendy, très sympa. On a Jordi Alba qui va faire le taf avec Messi. Au pire, on pourrait même le rentrer Cole. Hein. Vas-y, arrête. Essaye de faire le thème, quoi. DC ici, rien de bien fou. Les gars, je me fais défoncer. Pas facile cette histoire, hein. Pas facile. Là, elle est pas folle la draft pour le moment, mais bon, après, ça arrive. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque un milieu centre, et si possible, des Argentins et un défenseur central. Ça en fait du monde, hein. Ah yes, Martinez, trop bien, c'est le gardien qu'il fallait. C'est le gardien qu'il fallait parce que ça fait un petit link Messi en plus. Parfait. Allez, on y croit. Après, ouais, bah Webster, hein, pour l'instant, ça va faire du col en plus. Paf, col pour tout le monde en première ligue, nickel. Allez, Argentin. Putain, Karchaoui, oh là là, mais je peux pas jouer Karchaoui parce que bah ça va me tuer. Un peu le seum là, j'avoue, un peu le seum, on va prendre Karchaoui comme super sub. Hein. Et on a Tonali qui est quand même assez fou. Vas-y, Tonali. Ok, il nous faut un milieu droit. Juste un milieu droit. Filez-moi un milieu droit, s'il vous plaît. Je crois que ça va être dur. Ah, dommage. Bon bah malheureusement, on a pas un. Bon, on a juste Sané qui a pas de collectif. À tout moment, frérot, j'ai envie de mettre Karchaoui sur, en milieu droit. Prends la Di Maria aussi qui peut faire le taf. Oula, attends, on est bien d'accord qu'il n'y a rien qui file du collectif à part le portugais, quoi. L'espagnol, vas-y, hop. Elle est pas dégueulasse, la draft. On aurait pu faire mieux, bien évidemment. On va y aller comme ça. Bon, au final, on va mettre Di Maria directement parce que de toute façon, ça ne change rien en termes de collectif vu que au moins il a un avec Argentin, donc c'est pas mal. Mais on aurait préféré un mec de PL, du coup, on va y aller comme ça, les gars. Et puis on va voir ce que ça donne. En vrai, à tout moment, les gars, elle est pas mal la draft au final. Hein. On va tester de toute façon. On fait le premier match aujourd'hui, je continuerai demain matin. Comme ça, demain matin, les gars, on a les récompenses Rivals et ces récompenses-là qu'on aura aussi. Donc on sera un meilleur pack opening. Ce sera sympathique. Voilà, on fait le premier match aujourd'hui. Pas mal la draft, mais pas folle. Après, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que j'aimerais bien, tu vois, pouvoir tester aussi les giga méga joueurs que j'ai pas pu tester. Par exemple, j'aimerais bien avoir un. On va peut-être faire le deuxième match du coup. Ouais, bon, on fait le deuxième match aussi. Bon, bah écoutez, c'est les aléas. Voyons voir ça donne. FC Sanchez 1900. Putain, il est vieux hein, quand même, lui. Hein. Martinez, Christensen. Putain, il a le logo de Sanpaoli. C'est des gens que j'aime bien. C'est un métalleux, lui. Anthony Gakpo. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Di Maria, je le joue buteur et je joue Sané sur le côté? Vas-y, on tente ça. De toute façon, premier match, on n'a pas pu tenter grand chose vu que, ben voilà, première action, on bute, ça a quitté. Ok, donc c'est un tout petit cheater. Il est pas parti, dommage. Ouf. Wow. J'ai marqué un but hier. Bon, j'étais plus proche, hein. Mais un peu dans le même délire. J'ai fait un extérieur du pied avec Messi, c'est rentré, quoi. Exactement comme ça, mais c'est rentré.
Ah, bon, bah on va pouvoir faire le troisième match, les gars. Putain, on a vraiment un ratio dégueulasse, hein. 15 victoires, 12 défaites. On est nul en draft, c'est impressionnant. Une machine, calmez-vous, calmez-vous. Vous savez très bien que ça arrive à partir de ce moment-là où c'est compliqué, hein. Après, le seul truc cool de cette draft aussi, c'est que je joue dans une compo que je connais, quoi. Enfin, moi, je joue en 4-4-2 normal. Moi, j'ai pas fait de tactique non plus, hein. C'est vrai que je fais pas trop de tactique en draft, j'y vais. Mais là, au moins, je joue en 4-4-2 et j'aime bien ça, quoi. J'ai tenté parce que ben, j'ai tellement l'habitude avec Mohamed Salah de tenter ça. Mais c'est vrai que lui, je savais pas s'il avait la frappe spéciale et je crois qu'il l'a pas, la frappe intérieure du pied, Di Maria. Bien joué. Ah, de toute façon, c'est ça qui est cool, hein, c'est que tu prends pas la tête de savoir qui c'est que t'as devant, tu sais que tu l'as tiré du gauche avec tes attaquants hein, là. Oh non, j'ai mal géré ma course. C'est le pied droit de Karchaoui, c'est pas forcément l'assurance touriste, clairement. Mais regardez. Ah. Bon allez, 1-1 mi-temps, le match est serré, c'est cool, y a pas trop de trucs un peu relous, donc ça va, en vrai. Faut être solide et puis on va essayer de marquer un but, et puis voilà. Hein. Pff, dégueulasse. Logique, logique. Tu lances un seul mec et une profondeur, tu le rattrapes pas, quoi. Ok, bon, c'est pas facile ce match. La finale sera demain les gars, parce que j'ai plus le temps. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Wouah, Allende, wouah. Putain, ça a l'air assez vénère. Bon, c'est un style de jeu particulier, mais... Peut-être si tu fais ça, ça peut full aider, hein. Ok, ça passe. Bon, c'était pas facile, hein, mais au moins, on a gagné. On sera en finale, donc du coup, demain, finale. La vidéo sera en une fois, bien sûr, vous aurez la finale juste demain. Donc si j'ai un autre t-shirt, c'est normal. Si j'en ai pas un autre, ben, je suis un crasseux. On lance la finale pour terminer cette vidéo qu'on avait commencé hier. J'ai pas pu la terminer. Ouais, t'inquiète, je te fais ça après le match. Kerr et Nkunku en pointe. Waouh, j'aurais bien voulu cette attaque aussi, j'aime bien. Ouais, ça me paraît plutôt intéressant. Allez, Karchaoui ici à la place de Mitoma, ça c'est cool. Sané, bien évidemment, à la place de Watkins. C'est Watkins qui laisse cette sa place à Di Maria. Double pied gauche devant. Et puis on y va. On y croit à la victoire. Écoutez, quoi qu'il arrive, on aura fait une belle draft et on se sera amusé et ça nous aura peut-être un petit peu réconforté. Mais comme je vous avais dit, les 3-4 premières semaines de FIFA, tu vas pas forcément faire de draft parce que tu sais que bon, bah, tu vas tomber contre les hardcore players. Hein, bien évidemment, des mecs qui ont plus de niveau que toi sur le jeu. Donc voilà, tu sais que tu vas malheureusement pas pouvoir faire grand chose. Ensuite arrivent les piges, comme moi, tu vois. Les bons pigeons. Bon, bah là, 1-0, hein, qu'est-ce que je te dise. Bon, l'engagement, tu connais, hein. On commence bien cette finale, moi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc voilà pourquoi on arrive à aller en finale maintenant, quoi. Les pigeons sont sortis. Et du coup, bah, oh là là là, mais ça c'est rouge, monsieur l'arbitre. Hein. Bah ouais, mais ça c'est réclusion à vie. C'est quoi ça? Moi, quand je fais ça, je me prends des rouges, hein. Oh là là, regardez bien. Regardez bien ce coup franc légendaire. Ah, putain, ok. Ouais, bien. Vous savez quoi, c'est qu'à la Coupe du Monde de rugby, il a pas besoin de faire une chandelle. Ouais, c'était juste pour, voilà, pour faire un petit clin d'œil, tu vois. Oh là 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 là, quel but incroyable! Potores qui égalise à la 10e minute. Et voilà, on n'aura pas douté longtemps dans ce match. Bien évidemment, nous sommes présents. Bon, il fait des fins de touche et tout. Il me fait peur. Hein. Il me fait peur, hein, vraiment. Ça va les contres favorables? Non, parce que bon, limite, ça fait des 1-2 avec mes joueurs. Ouais, bon, bah d'accord. Piquer, bon, bah on a. Oh là là, oh là là.
Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bah on s'éclate, c'est cool. Ah bah super. Bon bah écoutez les gars, au moins là, on va peut-être pas la jouer longtemps là. La finale. On va même pas se prendre la tête, c'est soit on revient, soit on perd. Mais là, vas-y, on va pas faire 8 heures de jouer comme ça, c'est chiant. On se fait un peu chier là, j'avoue. Ah bah peut-être qu'on va pouvoir quitter maintenant les gars. Attendez, bougez pas. Ouais, nickel. Allez, on s'en va. Magnifique. Il aura été meilleur, bien évidemment. Et on s'en va. Voilà, belle finale de draft. On s'est bien amusé. Merci beaucoup, Yo. Merci, merci infiniment. Oh, on n'aurait pas eu une chance. Hein. Oh, même sans les deux buts de cheater, là, on n'aurait pas eu une chance. Hein. Ouais, on n'a pas le niveau sur ce jeu. Mais on a récupéré deux petits packs. À tout moment, on va être remboursé de nos drafts. Le karma doit être positif sur les packs. Il fait des greedy parce qu'il marque des buts. Ça va. Donnez-nous des joueurs impressionnants pour lui montrer qu'il fallait pas faire ça. Tu as pas que Forlan. Ouais, bah, c'est quand même un petit peu fort Forlan, mais why not, hein. Moi je prends. Hein. Allez, premier pack. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ouais, ça va pas rembourser la draft, ça, il me semble. Hein. Oh, ça rembourse pas la draft, ça, cette histoire. Ah, c'est pas dingue dingue. Ok, ciao. Ah, celui-là, il y a moyen. Ah. Je crois que les gars, malheureusement... Alors c'est une draft à oublier quoi. Aïe 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 aïe. Censé. Bah ouais. Ouais c'est... Bon bah on aura essayé. Au moins on aura fait 4 matchs en draft et ça c'est beau.